Tasso Himala Srila Prabhupada Ki Jai. Nitya Lila Pravishtam Vishnu Papram Sapi Hakya Chayo Satra Satu Shri Shima Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Ki Jai. Ananta Kuti Vaishnavinda Ki Jai. Sad Goswami Prabhu Ki Jai. Namacha Shrasta Kula Ki Jai. Prem Sikao Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shubhasadi Guru Bhakta Shri Shri Radha Krishna Gopinath Syama Kunrada Kunda Giri Govada Tu Guru Deva Sangha Tu Tura Shri Guru Shri Govada. Donc page 71. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Verset 14, premier chant, chapitre 2. Tasmad ekana manasa, tasmad ekana manasa, Bhagavan sattvatam pati, Bhagavan sattvatam pati, Shrutavyam kirti tavyacha, Shrutavyam kirti tavyacha, Deya Jaccha Nityada Tasmad Ekana Manasa Bhagavan Sattvatam Pati Shrutavyam Kirtita Jaccha Deya Pujaccha Nityada Tasma ekana manasa Bhagavan sattvatam pati Shrutavyam kirtitavyaccha Jeya pujyasham nityada. Traduction. C'est pourquoi, avec un mental fixé, quelqu'un doit toujours adorer le Seigneur suprême, le refuge des purs dévots, entendre parler de ses gloires et de ses attributs glorieux, les chanter et méditer sur eux. Commentaire. Srila Vishvanatha Charita Kaur dit : à cause de cela, on doit adorer le Seigneur avec un mental dénué de tout désir d'accomplir les voies du karma, pour obtenir donc des bienfaits matériels, et du jnana en vue d'atteindre la libération. Omagana Timilandasya Kanam Jalam Shalakaya Shakshuro Beditam Jena Taisme Shigola Venama. Donc on va faire une classe basique aujourd'hui. Dans ce monde, les êtres cherchent à sortir de la souffrance. Parce qu'ils souffrent constamment. Il y a différents ennemis dans le cœur, comme la colère, l'envie, l'avidité, la folie, l'illusion. Et constamment, ils harcèlent l'être, et l'être souffre. Il n'y a pas de repos. En plus, il doit constamment lutter pour l'existence. Passer sa vie à gagner de l'argent. À élever des enfants, à se défendre pour sa réputation. C'est qu'un enfer, le monde. Mais ce qu'il y a de plus étrange, c'est que tout le monde subit ça dans le monde matériel, mais personne ne se pose de questions. Tout le monde pense « je suis bien ». Comment c'est possible? En fait, Srila Bhaktisiddhanta explique, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta explique, que ce monde matériel, c'est comme une maison de rééducation. Parce que l'être vivant, l'âme que nous sommes, elle n'est pas dans sa position parfaite. Sa position parfaite, c'est de servir le Seigneur. Mais en ce moment, elle sert la nation, des enfants, elle sert un mari. Et en plus de ça, c'est simplement
temporaire. Ça change constamment. En une vie, on a une existence. Dans l'autre vie, on oublie tout de la vie passée et on recommence avec d'autres personnes, dans des corps de chiens, de chats, d'insectes, etc. Comment c'est possible? Pourquoi? Parce que l'être vivant doit prendre une leçon. Tant qu'il n'accepte pas qu'il est fait pour s'abandonner à Dieu, pour vivre avec Dieu dans une relation d'amour, il doit se heurter à ce problème. Parce que le Seigneur comble tous les désirs. L'être vivant veut faire ce qu'il veut. Je veux faire ce que je veux. Mais à quel prix? Tellement de souffrances sont expérimentées. À quel prix? Donc à un moment, naturellement, l'intelligence viendra. Peut-être après des millions d'existences. Bahunam Jambante. Krishna explique ça. Après des millions d'existences, il peut comprendre ça. Parce qu'il faut beaucoup. Déjà dans cette existence, par exemple, quand on fait une erreur, on doit la répéter, la répéter, la répéter, juste pour une petite erreur. Combien de fois avant de comprendre la leçon? Et ça, c'est juste une petite erreur dans notre vie. Mais la grande erreur, ça prend beaucoup de vie. De la même manière qu'une petite erreur, ça prend beaucoup de répétition avant qu'on ne le fasse plus. Et c'est vrai, on a tous expérimenté ça, à chaque fois c'est la même chose. Mais la grande erreur, ça prend beaucoup de vie aussi. Donc à un moment, on réalisera qu'on s'est trompé. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur va nous aider. Il va nous donner une intelligence. Quand on accepte qu'on est subordonné, à ce moment-là, la relation est possible. Pas avant. Tant qu'on pense que je vais faire ma vie, là je vais faire ceci, là je vais faire cela. On se heurte à notre karma, les résultats de notre activité passée. On ne peut pas en sortir. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous changez de travail, c'est la même galère. C'est simplement que ça va prendre une substance apparemment différente. C'est comme un poids que vous déplacez sur une autre épaule ou sur la tête. À un moment ou à un autre, ça fait le même problème, la même souffrance. Donc les gens changent constamment de travail, d'amis, de ceci, cela. Mais c'est toujours la même chose. Donc le problème, c'est qu'ils pensent, je vais régir mon existence. Je suis Dieu. Je fais ce qu'il me plaît. Je suis propriétaire d'un appartement. Mais en fait, on n'est propriétaire de rien du tout. Parce que ce morceau de terrain, quelqu'un d'autre pensait qu'il était à moi avant. Quelqu'un d'autre pensait qu'il était à moi. Quelqu'un d'autre pensait... On est tous des voleurs, de voleurs, de voleurs, de voleurs, de voleurs. Il suffit qu'il y ait des barbares, bon, ça n'existe plus, mais je ne sais pas quoi, qui viennent nous envahir, il n'y a plus rien à vous. Tout ça, c'est juste une concoction mentale. Vous pensez que ça vous appartient, mais c'est juste mental. Quel pouvoir a l'argent? D'acheter quoi? Il suffit qu'il y ait un krach boursier, après vous venez avec des brouettes entières pour acheter une petite miche de pain. Et ça s'est passé, hein. Ça s'est passé, des brouettes entières pour une petite miche de pain. C'est juste le mental qui nous fait croire que tout a une substance. Et au moment de la mort, on va comprendre que tout nous échappe. Et là, on va comprendre que c'était juste une concoction mentale. Et on reprend une nouvelle vie. Donc, à un moment, naturellement, l'être intelligent, il se dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. S'ils dorment, vaut mieux qu'ils aillent dans la salle en bas. Je préfère. Pas devant les déités. Ils ne dorment pas. Ok. S'ils dorment, il vaut mieux dans un endroit pour dormir. Ok. Le point, c'est qu'on doit se réveiller. C'est expliqué que l'énergie matérielle, elle endort l'être vivant. Elle le plonge en ignorance. De quelle manière? Maintenant, on en vient au point que Bhaktisiddhanta voulait expliquer. C'est qu'elle donne de la souffrance à l'être et de la satisfaction. Ça veut dire que s'il n'y avait que de la souffrance, on ne pourrait pas continuer notre existence. Et puisqu'on n'aurait pas la qualification pour comprendre pourquoi on souffre, ça serait terrible. Donc il y a de la joie. Bien qu'on souffre, il y a de la joie en même temps.
Et c'est pour ça qu'on peut continuer ce dur labeur, ce dur labeur. C'est expliqué, on prend l'exemple de l'âne. L'âne, vous lui mettez une bouffée d'herbe devant lui, même sèche, avec des lourdes sarges, il va avancer, en pensant qu'il va pouvoir manger l'herbe sèche. Il avance. Ça, c'est la mentalité de l'âne. Mais l'âne, parce qu'on lui a mis des œillères, il ne voit pas qu'il y a de l'herbe fraîche partout. Il n'y a pas besoin de porter toutes ces charges pour être heureux. Et bien, de la même manière, la vie matérielle, c'est simplement ça. On se charge de devoirs, de responsabilités, alors que finalement, on n'a pas la capacité de porter les gens. Et à cause de ça, on souffre. Parce que chacun doit simplement récolter le fruit de son karma. Quelqu'un qui doit être riche, il sera riche. Il aura beau faire des études ou pas faire d'études, il sera riche. Parce que c'est le principe du karma. L'autre jour, je regardais un groupe de musique. Le gars, il faisait trois notes comme ça. Il y avait des milliers de personnes qui venaient l'écouter. Ben, les musiciens, ils disent, mais c'est un scandale. Mais c'est vrai, j'ai vu ça. Un truc de dingue. Une musique, mais pourrie, mais vraiment le truc. Tout le monde écoute ça. Tu vois? Et le gars qui est musicien, il dit, mais c'est un scandale, c'est pas de la musique. Ils savent pas jouer. Pourquoi il y a des millions de personnes et moi, je suis tout seul là. Je joue super bien, personne vient l'écouter. Parce que c'est le karma. Quand vous avez le karma d'être heureux, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes heureux. Ça vous tombe du ciel. Les billets avec des ailes. Par contre, si vous devez souffrir, vous ne pourrez pas éviter la souffrance. Parce que tout est programmé selon nos vies passées. On a simplement un petit libre arbitre où on peut se dégrader plus ou se libérer. Ou d'accroître le bonheur, se libérer de la souffrance. Et le libre arbitre, quand il est positif, il se dirige vers quoi? Vers une relation avec le Seigneur suprême. Car qu'est-ce qui fait qu'on prend les résultats de nos actes? C'est parce qu'on agit indépendamment de cette réalité éternelle qui est ce lien qui nous unit à lui. Dès qu'on agit pour lui, on arrête de prendre le karma. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? On devient libre d'être ce qu'on est éternellement. Et à ce moment-là, on devient libéré de la peur. Qu'est-ce que c'est la peur? C'est simplement parce qu'on ne voit pas la vérité. Quand vous êtes dans le noir, vous avez peur. Parce que le noir, ça fait peur. L'ignorance, ça fait peur. Donc une fois que la vérité vient, vous n'avez plus peur. Vous devenez protégé. Comme un enfant qui est avec un père. Puissant, riche, qui a tout. Il n'y a plus de problème dans la vie. Vous savez que de toute façon, toute votre vie, vous serez protégé. Vous avez simplement juste un besoin, vous cultivez plus cette relation. C'est une vie complètement merveilleuse. Parce que vous voyez qu'il est dans votre cœur. Donc vous voyez qu'il est dans le cœur de l'enfant, qu'il est dans le cœur de tous les êtres et qu'il prend soin de tous les êtres. Vous arrêtez de vous faire du souci. Parce que vous comprenez aussi que vous n'avez aucun pouvoir. Quel pouvoir vous avez de protéger quelqu'un de la mort? Rien. C'est juste le mental qui nous fait croire qu'on peut protéger les êtres. On n'a aucun pouvoir. La vie, selon le karma passé, c'est une durée de respiration, par exemple. C'est pour ça que les yogis qui respirent plus lentement vivent plus vieux. Chacun, on a une durée d'existence qui a déjà été donnée. Sauf que quand on sert le Seigneur, elle peut être raccourcie ou elle peut être allongée. On ne peut pas. Par exemple, vous avez des gens, ils vivent jusqu'à 110 ans, c'est des alcooliques. On devrait mourir en 10 ans. Alors bien sûr, ça raccourcit un peu. Parce que les activités pécheresses raccourcissent la vie. Et les activités pieuses la rallongent. La preuve, c'est que quand quelqu'un fait des activités pieuses, vous lui dites, ah, tu ne fais pas ton âge. C'est la nature des activités pieuses. Alors que quelqu'un qui commence à faire des activités qui sont mauvaises, vraiment mauvaises, la souffrance, la vieillesse s'empare de lui. Surtout s'il offense des saints. Ça, c'est la plus grande offense. Mais dès que vous êtes situé dans la vertu, vous paraissez plus jeune. Parce que dans la vertu, la vie, elle n'est pas axée sur la satisfaction des sens, comme la vie sexuelle, comme le fait de s'intoxiquer, de trop dormir, etc., etc. Elle est basée sur la vie intérieure.
Donc, qu'est-ce que dit le Srimad Bhagavatam ? Que le but de l'existence, c'est de s'absorber dans le service de dévotion. Parce que si on ne s'absorbe pas dans le service de dévotion, notre réalité éternelle, dans notre prochaine vie, on sera où ? On reprendra une naissance selon notre conscience. Et en ce moment, notre conscience, qu'est-ce qu'elle est ? De l'oubli de notre relation éternelle. Or, si on regarde la vie des animaux, ils n'ont pas de conscience de qui ils sont réellement, de leur relation avec le Seigneur suprême. Cette vie d'ignorance, elle ne permet pas de comprendre la vérité. C'est pourquoi nous devons cesser d'agir par instinct comme un animal. Parce qu'il y a un risque. Celui qui agit comme un animal, il peut reprendre une naissance comme un animal. C'est ce que explique la Bhagavad Gita. D'ailleurs, si vous regardez, les gens qui s'associent beaucoup avec des animaux. Vous pouvez même voir qu'ils ont les traits de leurs animaux. Et ça, c'est pas une blague. Quelqu'un qui s'associe vraiment avec un chien, par exemple, et qui lui dit au moins toute la journée, t'es mon toutou, et qu'il le baigne comme ça, qu'il lui fait des petits plats et tout, quoi, qu'il dort avec lui. À un moment, vous voyez qu'il obtient les mêmes traits de visage. Vous avez jamais remarqué ça ? Ça veut dire quoi, votre avis ? Ça veut dire que sa conscience, elle va au niveau du chien. Parce qu'il est plus heureux avec un chien, même qu'avec un être humain. Et donc il se prépare, finalement, à accepter une vie de chien. Alors on se dit, mais comment c'est possible que la conscience humaine puisse être... d'une conscience humaine, comment on peut avoir une conscience de chien, un corps de chien ? En fait, il y a une autre chose qu'il faut comprendre. C'est que naturellement, quand on vit comme un animal, on fait des choses qui ne sont pas pieuses. On fait des activités impies. Et ces activités impies, on doit aussi les payer. Donc avant de prendre un corps d'animal, on doit aller sur des planètes qu'on appelle les planètes infernales, où on doit connaître un taux de souffrance pour payer ses activités karmiques. On obtient un corps adapté pour payer ses activités karmiques. Et en fait, cette conscience, elle devient atrophiée. Et quand on obtient un corps de chien, on est complètement satisfait. Mais complètement satisfait. Pourquoi ? Parce que même le corps d'animal qu'on avait, il ne donnait pas une pleine satisfaction qu'un corps de chien. Un chien, vous pouvez faire de la vie sexuelle 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois par jour. Ça, comme ça. Vous n'avez que ça à faire. Alors que la vie humaine, pour quelqu'un qui pense qu'à la vie sexuelle, c'est parfois difficile. Bah, il y a tellement de clubs de rencontres, par exemple. Pourquoi, à votre avis ? C'est parce qu'il y en a qui pensent qu'à ça, mais ils n'y arrivent pas. Donc c'est une sacrée frustration. Alors que dans un corps d'animal, il n'y a pas cette frustration. Par exemple, il y a une histoire assez rigolote. Un jour, il y a des adolescents qui voulaient savoir ce qu'était devenu un de leurs copains qui avait quitté son corps dans un accident de voiture. Donc ils ont fait du spiritisme. Vous savez, le truc avec le bol et les... Ouais. Et d'un seul coup, il rentre en contact. Il dit, c'est toi ? Oui, oui, c'est moi. Alors qu'est-ce que tu fais ? Ah bah, je mange, je fais l'amour, je dors, je mange, je fais l'amour 5 fois par jour. Il dit, oh, t'es au paradis ? Il dit non, j'ai repris des sens dans l'élevage de lapins. Il a repris naissance dans un élevage de lapins. Les lapins, ils s'accouplent souvent. Ah. Donc, on voit que la conception du paradis, finalement, pour les gens, c'est la vie sexuelle. C'est pas la félicité transcendantale. Donc, suivant notre but et notre conception de vie, le Seigneur nous comble notre désir. Parce que la vie humaine, c'est expliqué, elle est faite pour la réalisation spirituelle. Donc dans l'âge de Kali, les gens, malheureusement, ils vivent comme les animaux, sophistiqués. Mais ils n'ont pas de conscience de Dieu, la plupart. Par contre, dans les autres âges, c'était complètement différent. C'est pourquoi on doit absolument éduquer les gens, leur faire comprendre que la vie spirituelle, c'est essentiel. Parce que sans ça, ils ne peuvent même pas comprendre qu'ils souffrent.
Quelqu'un qui n'a pas de vie spirituelle, il ne comprend pas qu'il souffre, comme l'animal. Un animal, il est toujours en anxiété. Regardez une biche. Vous avez déjà croisé une biche ? C'est constamment dans la peur. Tous les animaux vivent dans la peur. Mais ils n'en ont pas conscience. De la même manière, l'être humain qui n'a pas de vie spirituelle, qui vit comme l'animal, il n'a pas conscience qu'il a peur. Il n'a pas conscience de sa colère. C'est simplement quand il a un peu de piété en lui qu'il peut ressentir. C'est comme la piété, c'est comme un miroir. J'en ai marre d'être comme ça. J'en ai marre. Mais la solution pour que ça s'arrête, ce n'est pas une solution juste d'aller dans un club de yoga, respirer trois fois, être Ayurveda, même être végétarien. Ce n'est pas ça qui arrête la peur. C'est quand l'ignorance est chassée et que la vérité vient en nous. Or, la vérité, ça veut dire je suis l'âme spirituelle et j'ai une relation éternelle avec Dieu. Alors c'est vrai, dans les versets auparavant, le Seigneur explique qu'il a toujours trois aspects. Il est perceptible sur trois aspects selon la conscience des êtres. Brahman, d'une manière impersonnelle, la radiance de son corps. Paramatma, l'âme suprême. Et Bhagavam, le Seigneur suprême, présent dans ses demeures. Mais de toute façon, la peur, l'anxiété, le mal-être, le fait d'être seul. Regardez, il y a des gens, ils ont un mari, moi je connaissais des personnes, ils se sont suicidés, ils avaient des beaux enfants, un mari qui les aimait, un beau travail. Mais pourquoi ? Parce que même ils se sentaient seuls, même avec ça. Vous vous rendez compte ? Mais ça, ce n'est pas un cas isolé. Parce que on ne peut pas être satisfait dans cette circonstance. Parce que l'âme est faite pour être avec ce Seigneur merveilleux. En fait, Krishna est tellement beau. Krishna a tellement de qualités que c'est expliqué que ses dévots, ils sont tellement fascinés par lui, mais ça peut être par n'importe quoi. Vous marchez avec le Seigneur, le tintement de ses cloches de cheville commence à rentrer dans votre oreille, et finalement, vous avez une explosion comme des millions de volcans qui vous fait réaliser, la beauté du son, la douceur du son. Le sentiment qu'il y a dans ce son. Et chacun de ces dévots, quand ils se voient, après ils se racontent leurs histoires. Ils goûtent les uns et les autres ce que le dévot a pu goûter. Le Seigneur n'est pas un être ordinaire. Tout est illimité en lui. Quelqu'un pourrait rester simplement en regardant un angle du Seigneur pour l'éternité. Et il n'en verrait même pas la fin de ce qui peut émaner de cet ongle, par exemple. Donc c'est pourquoi l'être vivant est fait pour ça. Et c'est pour ça que les gens se suicident, même s'ils ont toute la célébrité. Combien d'artistes se sont suicidés alors qu'ils avaient tout, Whitney Houston, etc. Des gens qui avaient une célébrité qu'on ne peut même pas imaginer. Parce qu'au lieu de leur donner la satisfaction, ça les détruisait. Ils se sentent tellement seuls. Et le pire dans ce monde, le pire, par l'âme Maharaj, il dit, c'est que les gens, ils vomissent. Ça veut dire qu'ils rejettent cette vie, mais ils sont obligés de la remanger. Mais oui, parce qu'ils sont obligés de recommencer ce qu'ils faisaient. Ils n'ont pas de solution. Parce que comme ils ne s'abandonnent pas à Dieu, c'est comme un labyrinthe. Ils sont obligés de refaire ce qu'ils faisaient avant parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ne peuvent pas s'abandonner. Donc ils essayent quelque chose. C'est la même chose finalement. C'est la même, à un moment, c'est comme un jouet d'un enfant. Pendant 5 minutes, il va jouer avec. Puis à un moment, il en a marre. Il va se dire, bah tiens, je vais réessayer un autre jouet. Et puis un autre. Puis le lendemain, il repasse à ça. Et puis il repasse à ça. Voilà ce que l'être humain fait. Vous les voyez 10 ans après, ils vous disent, bah finalement, je vais refaire ce que j'ai déjà fait. Ils savent qu'ils n'auront aucune satisfaction. Mais ils n'ont pas le choix. Parce que c'est comme des personnes qui veulent s'assumer seules. Donc avec leur karma, ils tournent en rond. Ils ne peuvent pas s'en libérer. Impossible. Ils le savent au fond d'eux-mêmes qu'ils sont pris dans un piège. La seule solution qu'il y a, c'est de s'abandonner au Seigneur. Il n'y a pas le choix. Il n'y a que lui qui peut nous libérer. Parce qu'en fait, il nous observe en tant que l'âme suprême. Parce que nous ne voulons pas être avec lui. Mais il est très proche de nous, il est dans le cœur de l'âme, même s'expliquer.
Et il attend simplement qu'on se tourne vers lui avec sincérité. C'est expliqué que celui qui s'abandonne au Seigneur et dit « Aujourd'hui, je t'appartiens », même une fois, le Seigneur fait tous les arrangements. Après, les arrangements qu'il fait, ce n'est pas ce que vous voulez. Il va vous sortir d'affaire. Au début, vous allez souffrir, et après, vous allez comprendre que c'était essentiel. Et là, après, vous retournez au Seigneur suprême. Regardez autour de vous. Ils sont tous vos gourous. Regardez comme ils galèrent tous. Soi-disant, vous allez par exemple dans un club de yoga. Moi, ça m'a toujours fait rire. Vous allez dans un club de yoga, par exemple. Ils font tous, tout est beau, tout est magnifique. Et quand vous commencez à vivre avec eux, vous voyez que c'est pas si magnifique que ça. C'est sur le moment qu'il faut que tout soit bien. Mais là, ça rigole pas. Mais c'est normal. C'est normal. Vous allez à la télévision, par exemple. J'ai été invité dans une émission. Et je ne me rappelle plus, les mille et une vies, là, je ne sais plus quoi. Et je suis arrivé, alors c'est incroyable. Et tout est parfait. Sourire, bien maquillé, tout est. Ils rigolent tous, t'as rien. Et je me suis dit quand même, j'y crois pas. Et je veux dire, vraiment, c'est balèze. Hein. C'est, faut le voir pour y croire. Et puis à un moment, j'en vois une un peu isolée, toi. Je l'approche, je dis. Alors, c'est incroyable ici, l'atmosphère, on se croirait au paradis. Hein. Et alors, on me dit, il faut que je fasse attention, mais voilà, il suffit qu'on fasse une grimace, on est viré. Il dit, c'est l'enfer. Elle m'a dit ça. Elle m'a avoué ça. Elle m'a avoué qu'ils étaient payés pour être comme ça. Sans ça, ils pouvaient se faire virer. Elle me l'a avoué. Et c'était pas quelqu'un, une petite, hein, c'était quelqu'un qui était sur le plateau, qui faisait des analyses psychologiques, etc. Je me rappelle plus de son nom. Quelqu'un de vraiment bien, quoi. Elle m'a avoué ça, elle avait peut-être 30 ans ou 40 ans de métier. Hein. Donc, les gens vivent dans des apparences, mais ils sont malheureux. Ils n'ont pas de véritable vie, de substance dans leur vie, c'est comme un rêve. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas continuer à vivre de cette manière-là. On doit méditer sur la vérité. Et la vérité, elle n'est pas sans forme. Elle est une personne parce qu'on a besoin d'aimer. On a besoin de se reposer, d'avouer notre amour. On a besoin d'une personne qui nous aime vraiment, qui est prêt. Parce que le Seigneur, il aime ses dévots. Bien qu'il soit illimité, il est prêt à se donner complètement. Et c'est pour ça qu'un dévot, il est comme illimité, comme le Seigneur lui-même, parce qu'il reçoit cette affection. Il reçoit cet amour. Il est tellement cher au Seigneur suprême qu'il devient comme quelque chose de vraiment merveilleux, quoi. Parce qu'il a obtenu quelque chose qui est inconcevable. Ce que parle un Vaishnav, c'est pas des choses pieuses ou religieuses. Notre but, il est très élevé. Sridhar Maharaj, Bhaktivinoda Sridhar Goswami Maharaj, expliquait que on peut comprendre la grandeur d'une personne à son but. Nous, on veut être des associés du Seigneur. Le reste, on s'en moque. Le reste, c'est temporaire. Ça amène juste de la souffrance. Mais c'est juste la vérité. Bodhayan Maharaj, il expliquait une chose qui était intéressante. Il dit en fait, les gens, ils se marient pour penser qu'ils sont heureux, qu'ils vont être heureux. Mais en fait, les gens ont tous des problèmes. Quand ils se marient, eh ben, ils obtiennent deux problèmes. Ils se disent, on va avoir des enfants. Un troisième problème, un quatrième problème, un cinquième problème. Ça ne fait qu'augmenter. Et là, le résultat, c'est l'échec. Moi, je vois, par exemple, même mes parents, même mon père, une fois m'a avoué, mais à quoi ça sert cette vie? C'est juste la souffrance. C'est la finalité d'une vieille personne. Le corps, il marche même plus, ils n'arrivent même plus à respirer. Les gens les abandonnent parce qu'ils deviennent différents,
on devient un peu aigri, etc. C'est dur, la finalité, elle est dure. C'est amer, la vérité. Vous allez tous vieillir. C'est juste question de temps. Qu'est-ce que vous allez avoir dans votre vieillesse? Si vous n'avez pas cultivé la vie spirituelle, l'éternité, vous allez juste être oppressé par cette vieillesse et cette maladie. Il faut vous libérer. Si vous cultivez la vérité, cette relation avec le Seigneur, la vieillesse, elle n'aura pas de pression sur vous, vous vous en foutrez. Parce qu'à l'intérieur, vous serez éveillé, réalisé. Ce n'est pas des blagues ce que je dis. Tout le monde va connaître ça. Et vous allez voir vos propres enfants intéressés par l'héritage. Et c'est vrai. Avant même que vous mouriez, ils vont commencer à penser qu'est-ce que je vais avoir. Ça me rappelle Jean Gabin. Ses enfants, ils étaient déjà presque en procès pour son héritage lorsqu'il était encore vivant. Jean Gabin. Mais ça, c'est pas une histoire isolée, attention. Parce que nous-mêmes, on est poussé à faire ça quand on est sous l'influence de la passion. Tout le monde va penser à l'héritage. Parce que c'est la nature de l'âme conditionnée qui est influencée par la passion et l'ignorance. La vertu, ça ne vous touchera pas. Parce que vous savez que ça n'apporte aucun bonheur, l'argent. Simplement, vous utilisez l'argent pour le service du Seigneur suprême. Et libérer les gens de l'ignorance. Donc, s'il y a un héritage, vous dites, bah tiens, je vais pouvoir faire un temple pour le Seigneur. Mais quelqu'un qui est dans la passion de l'ignorance, il dit, bah ma mère, elle a des malades. Ah ouais, t'as un petit héritage? Bah ouais, elle a au moins 10 millions de francs. Ah, 10 millions d'euros, ah ouais, je t'aime. Ah, je t'aime vraiment, tu es ma vie. Il y a une histoire comme ça, d'une personne vraiment moche, qui habitait à la campagne, qui vivait mais d'une manière rurale, sans presque l'eau, l'électricité, quoi, vraiment. Et il a gagné, je ne sais pas combien de millions d'euros. Et là, à ce moment-là, quelques jours après, il y a une femme super belle qui arrivait, super cultivé et qui il s'est marié, etc. Et là, tout le monde, c'était le scandale. Et qu'est-ce qu'il a fait? En fait, je crois qu'il a essayé d'être déshérité et tout ça, quoi. Bon, bref, c'est pas évident, en fait. Les gens, c'est pas forcément votre être qui vont acheter, qui vont aimer. C'est votre argent, c'est votre ceci, c'est votre cela. Donc, quand vous perdez votre faculté de beauté, d'intelligence, et que vous devenez vieux, parfois même les enfants, ils vous placent dans une maison de vieillesse pour ne pas vous voir. Pourquoi ça existe? Dans les anciens temps, les enfants prenaient soin des parents. Maintenant, ils ne veulent plus s'embêter. Et nous-mêmes, on a fait la même chose. Seulement les êtres pieux s'occupent encore de leurs parents. Mais pourquoi vous pensez qu'il y a plein de maisons de retraite? C'est parce que maintenant, on ne veut plus s'occuper des parents. Donc si on ne veut plus s'occuper des parents, vous pensez qu'on ne pense pas à l'héritage? C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. C'est pas parce qu'on a quelques piétés que les gens qui sont impies, ils ne pensent pas d'une certaine manière. Parce qu'il y a plein de faits divers. Plein. Voilà. Merci beaucoup. Et il y en a même qui tuent leurs parents pour avoir l'héritage. Et ça, c'est des faits divers. Ça arrive souvent aussi. Ils vont jusqu'à tuer leurs propres parents pour que ça aille plus vite. Et ouais.
Mmh.